إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بإذن الله تبارك وتعالى نكونتينيون dans l'explication du sharh sunnah, qui est l'explication de la sunnah de l'imam al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du sheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Donc bismillah, aujourd'hui nous allons rentrer dans le test, dans l'explication du test du livre de l'imam al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a. Dans les deux cours que nous avons fait, les deux cours qui ont précédé, c'était sur l'introduction du livre. Mais dans cette introduction qui est la muqaddima, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est restreinte par le suivisme des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons appris aussi que dans cette sunna, ou bien on peut dire dans l'islam, à chaque époque, il y a des fitanes, il y a des troubles, il y a aussi des innovations, il y a de nouvelles innovations dans chaque époque. Donc pour rester sur la vérité, pour rester sur la voie correcte, c'est de s'accrocher aux savants de cette époque, les savants de la sunna, les savants qui sont connus comme étant les savants de la sunna, qui ont reçu l'éloge des savants de la sunna de cette époque. Et on a cité parmi eux les plus grands, surtout à notre époque, qui est Al-Walid, qui est le cheikh, notre père, Cheikh Salih ibn Abdullah Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Après lui, on a cité le cheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali, ainsi que le cheikh Obeid qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a cité les plus grands parmi eux, qui est cheikh Gunbaz, cheikh Usseymin, rahimahum Allah, jami'an. Et bismillah, aujourd'hui nous allons lire dans le livre qui est Sharh Sunnah al-Barbahari. Donc le cheikh Ali Ramli, il dit, je veux qu'on fasse l'effort de suivre. Et les parties, bismillah, à mémoriser, bien avant de se séparer, je vais vous demander de mémoriser ces parties-là. Et de faire même l'effort entre vous, de vous retrouver un autre jour, autre que ce jour-là, pour pouvoir faire des muraja ensemble, voir réviser ensemble et voir si on avance ou pas.
Parce que comme j'ai dit, ce livre-là, on va l'étudier. Ce n'est pas une conférence. On va étudier ce livre. On va avoir des adilla, des preuves avec nous. Surtout dans cette époque où les shubuhat sont nombreuses. Et on peut t'attirer avec des shubuhat. Donc si le sunni, il a les dalils avec lui, si on envoie une shubuha, tu vois, ce dalil-là, il revient à cette preuve-là. Pour connaître, est-ce que cette shubuha est la vérité ou cette shubuha n'est pas la vérité. Donc faites l'effort de bosser ce livre-là comme il se doit. Et afin aussi de profiter à ceux qui sont toujours mélangés dans la compréhension de ce manhaj-là. Que le manhaj de Ahl-Sunnah, que le manhaj de la Salafiyya. Alors l'imam Barbahari, il dit, le Cheikh Ali Ramli dit, « قال البربهاري رحمه الله » Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, dans le début du livre, il dit, « Alhamdulillah, الذي هدانا للإسلام » Alhamdulillah, il dit, la louange appartient à Allah, الذي, celui-là, هدانا, qui nous a guidés, l'islam, vers l'islam. Sachez que cette muqaddima ne se trouve pas dans tous les nusakh de Shahru Sunnah Barbahari. Il y a certains nusakh, le sheikh, il a commencé directement par cela, alhamdulillah. Il y a certains nusakh, il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et directement sa parole qui est I'lamu anna al-islam wa sunnah wa sunnat ila al-islam. Mais ici, il y a une muqaddima. Donc ici, le Cheikh Ali Ramli dit Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu, moi, c'est Wasful Mahmoudi. C'est décrit celui qui a été loué. Décrit Bimana, c'est-à-dire montrer le décrit Bil Kamali par le caractère complet. Est-ce qu'on comprend ici? Le décrit par le caractère complet. Mais en faisant cela, mahabbatan, c'est par amour, wa ta'azima, et par respect. Quand il dit Alhamdulillah, wasful mahmoudi, bil kamal. C'est-à-dire, celui que tu loues, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme tu décris Allah en montrant que Allah il est complet. Et en faisant cela, il faut que dans ton cœur, il y ait quoi? Mahabba, l'amour, wa ta'azima, et le respect, qui est l'immensification. Le rendre grand dans lorsque tu dis Alhamdulillah. Al-Mahmoud c'est qui? Allah. Regardez dans vos livres. Al-Mahmoud, Allah. Al-Mahmoud, c'est Allah. Donc le Cheikh, il dit ici, Falhamdu. Le Hamd, Huwa, c'est Wasfuhu. C'est de le décrire Bil Kamali. De le décrire en montrant qu'il est complet. Mahabbatan lahu. Par amour pour lui, wa ta'zima, et par respect. Hakaza, c'est ainsi arrafahu Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est ainsi que Ibn al-Qayyim a défini, c'est-à-dire a donné le sens. Wa kathir min ahli al-ilm, beaucoup parmi les gens de science yaqulun, ils disent huwa sana'u, c'est l'éloge Allah, sur Allah, tabaraka wa ta'ala. As-sana'u, comme on le dit, en bambara, tanu. As-sana, ka ala tanu. Ça va? Donc quand tu dis Alhamdulillah, c'est comme tu loues Allah, tu fais le sana, n'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le Cheikh Ali Ramli il dit Walhamdu al-mutlaq al-kamil al-shamil.
le hamd de façon générale, de façon complète et de façon englobante, c'est-à-dire de façon rassemblée, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hada lillahi wahda. C'est pour Allah seul. Alors ici, il dit yakhtassu bihi subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu bihi, c'est-à-dire il se spécifie. Avaire krekere anouye. C'est compris? Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alhamdul muqayyad. Quant au hamd restreint, le hamd muqayyad, c'est le hamd restreint. Le hamd mutlaq, c'est le hamd qui est mutlaq. Bimana, le hamd mutlaq, c'est quoi? C'est lorsque tu reçois un bien ou bien tu ne reçois pas un bien, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Alhamdulillah, Alhamdul mutlaq, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant au hamdul muqayyad, on peut le faire à un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le faire à un être humain lorsqu'il te fait un bien. Comme le cheikh va expliquer ici. Il dit Tahmadu shakhsan. Tu loues une personne à la shay'in mu'ayyan. C'est une chose spécifique. Ça va? Fada yajuzu. Ça t'est permis. Lillah. Pour Allah. Wa li ghayrihi. Et pour autre qu'Allah. Fahaza alhamdu. Ce hamd-là. هو الشامل الانغلوب لجميع المحامد بطول حمد الانغلوب طول حمد صبا فالالف واللام regardez le alif qui est là et puis le lam qui est là للاستغراق ça c'est pour ceux qui étudient la langue arabe ils savent ce que le cheikh il a dit ici quand on dit الالف واللام quand on dit Alhamdu. Regardez le alif et puis le lam qui est au début. Ce alif ou lam peut venir du ta'rif pour définir quelque chose. Ça va? Mais le alif ou lam peut venir l'istighraq pour englober tous ceux qui sont dans ce alif ou lam là. Quand il dit par exemple Alhamdulillah, ça c'est istighraq. C'est comme dans un verset du Coran, il y a Alif Walam qui est Al-Istighraq. Dans Surat Al-Asr. Elle a dit Wal-Asr innal insan. Il parle de qui? De tous les êtres humains. Insan ici, ça prend les djinns et les humains. Ça va? Ça prend les djinns et puis les humains. Tous ceux qui ont été créés pour l'adoration, elle a dit « innal insan ». Le « alif walam » ici, c'est quoi? Les « istighraq ». Retenez bien cela. Les « istighraq ». Ça vient englober tous les êtres humains. Donc quand on dit « alhamdulillah », le « ham », le « alif walam » qui est ici, c'est les « istighraq ». C'est-à-dire on loue Allah Zawajal pour tous les mohammed. Tout ce qu'il a fait pour nous. سبحانه وتعالى. أصيد دي فقال المؤلف هنا لتد ليف إديسي الحمد لله الذي هدانا للإسلام. إدي نلوا لالوانش appartient à Allah qui nous a guidés vers l'islam. أيها الإخوة, c'est un grand bienfait. أن هدانا الله للإسلام. Que Allah Azawajal nous ait guidés sur l'islam. Donc, on doit chaque fois louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc, fayahmadullah subhanahu wa ta'ala. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala à la ni'matin. Sur la ni'ma que Allah Azawajal tafaddalallahu subhanahu wa ta'ala. عليه وعلينا بها تفضل gratifié il loue Allah Azza wa Jal pour le bienfait que Allah a fait sur lui ainsi que qu'il a fait sur nous qui loue Allah ici c'est l'imam Barbahari ça va il loue Allah pour le bienfait que Allah lui a fait en le guidant vers
l'islam. Et il loue Allah aussi pour nous, que Allah il a guidé sur l'islam. وَهِيَ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ C'est la ni'ma de l'islam. وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ النِّعْمِ Ça fait partie des meilleurs bienfaits. Allah dit, Al-Yawma, aujourd'hui, أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ J'ai complété votre religion pour vous. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Et j'ai parfait mes bienfaits sur vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'affa aouye. Mais bon, Allah, il nous a complété par de ses bienfaits, qui est l'islam. Enfin, l'islam, ni'matu min Allah tabaraka wa ta'ala. L'islam est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhmadu alayha. On doit louer Allah pour cela. Anmanna alayna biha parce qu'il nous a gratifié par l'islam. Wa qad bada al mu'allif bil hamdi. Alors le cheikh Ali Ramli dit l'auteur du livre ici a débuté par al hamd. Iqtida'an bin nabi. Il a imité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa qad kana sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était fi khutbihi, dans ses khutbah, wa muhadaratihi, et dans ses conférences, yabda bilhamdi. Il commençait par alhamdulillah. Comme par exemple, inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufir. Khutbatul haja. Il commençait par alhamd. Dans ses khutab et dans ses muhadarat. وَأَمَّا مَكَانْتَ فِي رَسَائِلِهِ Dans ses lettres, dans ses messages qu'il écrivait, فَكَانَ يَبْدَى بِالْبَسْمَلَ Il commençait par la basmala. La basmala c'est quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. طيب. هذا الثابت عنه. الثابت يعني ceci est authentique et affirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est ahadith kathira dans de nombreux hadiths fi sahihayn wa ghayrihima dans sahihayn et autres que sahihayn qala alors il dit encore l'imam Barbahari wa manna alayna bihi Allahu Akbar et Allah nous a fait le bienfait de l'islam. Combien de musulmans reconnaissent ce bienfait-là? وَلَوْ عَرَفْنَا النِّعْمَ Si on reconnaissait le bienfait, on allait tout faire pour maintenir ce bienfait-là. شُكُرُ النِّعْمَ سُبُوتُ Reconnaître le ni'ma que Allah t'a fait. Le choukru se fait comment? Est-ce qu'on dit Allah merci ou bien on fait l'action en montrant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le remercie en faisant des actions. C'est ce qui est demandé. Si Allah te donne de l'argent, est-ce que tu lui dis merci ou bien tu dépenses sur le chemin d'Allah? Tu dépenses sur le chemin d'Allah. Si Allah te fait la ni'ma de l'islam, est-ce que tu lui dis seulement merci et tu n'appliques pas l'islam? Tu appliques l'islam. Ta'amalu bil islam. Tu appliques l'islam. C'est ce qui est subutu al-ni'ma. Et Allah Azza wa Jalla dit Wa la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, il va augmenter pour vous. Wa la in kafartum. Si vous avez mécru, alors sachez que le châtiment d'Allah est douloureux. Donc, pour garder une ni'ma stable, il faut reconnaître et appliquer cette ni'ma-là, qui est la ni'ma de l'islam. Mais comment nous pouvons appliquer l'islam sans avoir appris? L'islam se différencie des autres religions par la science et la mise en pratique. Les chrétiens, eux, ils n'ont pas la science et ils mettent en pratique. Les juifs, ils ont la science, ils ne mettent pas en pratique. Mais les musulmans, c'est le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
comme Allah le dit. C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. C'est comme ça aussi les gens de la Sunna, ils sont le juste milieu parmi les autres sectes. Comme a dit Cheikh Islam Muntemiya dans Majmou al-Fatawa. Il dit, Wasatun fil milal. Il dit, l'islam est le juste milieu dans les autres. Wasatun fil nihal. Il dit, les gens de la Sunna sont le juste milieu parmi les autres sectes. Kama anna din al-islam, wasatun fil milal. Comme la religion de l'islam est le juste milieu dans les autres religions. C'est comme ça, les gens de la Sunna, ils sont le juste milieu aussi entre les autres sectes de l'islam, c'est-à-dire entre les autres groupes de l'islam. Donc, manna alayna bihi, Allah nous a gratifié par l'islam. Wa khrajna, et Allah nous a fait sortir fi khayri ummatin. Allahu Akbar. Allah nous a fait sortir dans la meilleure des communautés. Il pouvait nous faire sortir dans les autres communautés. On pouvait naître dans les autres communautés. Mais il nous a fait sortir dans la meilleure des communautés, qui est la dernière communauté à venir sur terre et la première communauté à rentrer au paradis. Et la seule communauté qui sera témoin contre toutes les autres communautés. Et pour les autres communautés, c'est la communauté de l'islam. Hiya ummatu Muhammad. La meilleure des communautés est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hiya akhirul umam. C'est la dernière des communautés. Wa khayrul umam. Et la meilleure des communautés. Hein? J'ai sauté le verset. Non. Il envoie le verset qui est kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Il dit, vous êtes la meilleure des communautés que Allah avait surgi parmi les gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna an munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc ici, voici le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur nous pour montrer que on est la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce qu'on ordonne le bien et on interdit le mal. Dans l'explication de ce verset, Mujahid, Ibn Abbas, Al-Kirima, ils disent, Kuntum khayra umma, ummat Muhammad. C'est la communauté de Muhammad. Kuntum khayra umma ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deux disent qu'elle est compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walakin Muhammad Ilyas, il dit Kuntum khayra umma. Il dit Allah dit Akhrajnaka ya Muhammad Ilyas ala masal al-anbiya. Al-Kandalawi, Al-Sufi, Al-Tablighi. Le fondateur de Jamaat Tabligh. Il a expliqué ce verset à la manière dont personne d'entre les compagnons n'a expliqué ce verset-là. Il dit, Allah dit, Kuntum khayra ummatin. Je donne des précisions. Pour ceux qui veulent aller voir, allez-y voir dans Malfouzatul Ilyas. Lui-même son livre, qui a été rassemblé à son nom, à la page 57. Allez-y voir cette parole-là. Il dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Il dit, Allah dit, Ya Muhammad Ilyas, akhrajnaka ala masalil anbiya. On t'a fait sortir comme les prophètes. Mada da'auna. Il da'a mada al-nubuwa. Il a prétendu al-nubuwa dans sa parole. Il a dit, Allah a dit, ukhruj. Sors et va dans tout endroit et appelle vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une de ses paroles, Kuntum o khayra ummatin ukhrijat linnas, il dit, Allah dit, Kunta khayra umma ya Muhammad Ilyas. Voilà pourquoi quand on dit aux gens, ne suivez pas Jamaat Tabligh, ils disent non, mais ils ont compris l'islam, ils sont ici, là.
صوفية عصرية. C'est le soufi. Allez-y lire le livre de Cheikh Hamoud At-Wejiri. Jusqu'à présent, les chefs de Jamaat Tabligh, ceux qui ne sont pas al-Arabes, ceux qui sont parmi eux, yubayiruna haula ala arba turuq al-soufiya. Ils font la baya sur quatre turuq soufiya. Naqshbandiya, Jashtiya, Sahrapouriya, Qadiriya. Mais les gens ne savent pas. Mais est-ce que l'explication que Mohamed Ilyas a donnée ici n'a pas prétendu la nubuwa? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit la nabiya ba'adi. Et Allah Zawajal dit que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit wa khadama an-nabiyyin. C'est le dernier des prophètes. Hada tanbih faqat. Alors ici, le cheikh dit fa'adhihi umma. Voici la vraie explication de ce verset. Cette communauté, allati hiya ummatu Muhammad, qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiya khayrul umam. C'est la meilleure des communautés, wa khayr, wa hiya akhirul umam. C'est la dernière des communautés, wa khayrul umam. Et la meilleure des communautés. Qala. Alors l'imam Barbahari dit, fa nas'aluhu at-tawfiq. On demande à Allah de nous accorder la conformité, qui est en bambara bensema, en maladari et bensema d'âme. Et dit l'ima yuhibbu wa yarda, qui nous accorde la conformité d'appliquer ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Qui nous accorde la conformité dans al-ibad. Parce que al-ibad, c'est quoi? Ismun jami'un l'ima yuhibbu Allah wa yarda. On dit Amin. Et on demande à Allah Walhibza de nous préserver Ayantana Mimma Yakraouhu, qui nous préserve de tomber dans ce qu'il déteste, wa yaskatuhu, et de ce qui attire son mécontentement. Alors l'imam Cheikh Ali Rami dit Hada du'aun, voici une invocation minal mu'allif, de l'auteur du livre. فنسأله تبارك وتعالى ودمان الله كما سأله قم إلى دمان الله نوسي ودمان الله كي نزاقر سيلا والدعاء لشيء كي بانوز انسيني quelque chose ici كي بانو permettre de rester ferme. Il dit والدعاء من أسباب السبب. L'invocation fait partie des causes du raffermissement. C'est-à-dire, doit ou pas sabati. Mais bon, ça y est. Le Qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi du'a illadhi kana yukthir min. L'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y multipliait. Si tu veux être ferme, wa sabatu min simati ahli sunnah. La fermeté, à sabat, c'est Simadou Ahli Sunna. C'est l'une des particularités des gens de la Sunna. Nam. La kin wa talawun. Le fait de changer de couleur. Mais Simadou Ahli Bida. Ça fait partie des comportements et des caractéristiques des innovateurs. Parce que c'est eux qui les voient aujourd'hui, ici. Demain ils sont là-bas. Après demain ils sont ici. Ils savent même pas où aller. Mais le sunni, il connaît sa akida. Il connaît son manhaj. L'un d'entre eux est venu voir l'imam Ahmad, l'imam Malik, rahimahullah. Il dit au Khasimu, il dit je vais discuter avec toi. Dans une ruwaya, l'imam Ahmad, l'imam Malik lui dit A'arifu dini. Il dit je connais ma religion. Celui qui connaît sa religion, est-ce qu'il débat? Il va venir débattre chaque fois avec des gens. C'est quand il doute, il vient débattre pour voir si la vérité est de l'autre côté. Allez, Sakajali. Un est venu encore vers l'imam Malik. Il dit à l'imam Malik, il dit au Khasimok. L'imam Malik lui dit, wa in ghalab tali. Si on fait le débat et puis tu me gagnes, tu prends le dessus sur moi. Il dit, utabiok. Il dit, je te suis. L'imam Malik lui dit, wa in ghalab tuka.
Si j'ai le dessus sur toi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit tout à bien. Yani, il dit tu me suis, c'est ça? Wa inja akhar, l'imam Malik lui dit, mais si une autre personne vient et il a le dessus sur nous deux, il dit nous tabi'uhu. Il dit on le suit. L'imam Malik dit, Yahada, il dit et toi? Ad-dinu laysa liman ghalaba. La religion n'est pas pour celui qui a eu le dessus. Il peut avoir kalam, shakhas el kalam. Il peut avoir la maîtrise. Évitez les débats. Évitez. Le Cheikh Ali Ramni dit, la tu khasim, wa la tu jadid. Si quelqu'un veut la preuve, envoie-lui. S'il n'est pas d'accord, dis-lui, je n'ai pas plus que cela. Mais si tu ouvres la porte du débat, mazallatul aqdam, ça fait tomber. On te place une chouvoie, tu ne pourras plus t'en sortir. Donc, as-sabatu min simati, ahli sunna wal jama'a. Ils sont fermes. Wa in tazahzatil jibal. Même si la montagne tremble, hein, les sunnis restent fermes. Si c'est Aqida et son manhaj. Ils ne quittent pas dessus. Quel que soit ce qui va arriver, ils ne quittent pas dessus. Wa mazalu hadha ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? À Mecca, ils ont tout fait pour les faire quitter sur le dîn. Ils sont quittés dessus. Là. N'est-ce pas? Donc, restons sur notre Aqida. Qu'Allah nous a encore la compréhension. Maintenant, ce qui va nous aider à rester sur cette Aqida, c'est de multiplier les invocations comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus guidé parmi nous tous ici. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Ya muqallib al-qulub. Il dit, oh Allah, toi qui tournes le cœur, sabbit qulubana ala dinik. Allah, faut raffermir. C'est-à-dire, un juzukun sabati. Un juzukun sabati ala ta'atik. Égale, c'est-à-dire, si ton obéissance, égale ton yonani là. Ou égale dinaka, et un juzukun sabati. Rafferme notre cœur sur ta religion. Comme cela vient dans Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah, qui est le hadith de Anas. Et l'imam muslim aussi rapporte du hadith d'Abdullah ibn Amr dans ce laps. Allahumma musarrif al-qulub. Musarrif, oleye, mimbe, c'est-à-dire celui qui détourne le cœur. Muqallif, celui qui renverse. Musarrif, celui qui détourne le cœur. Oh, toi, tu détournes le cœur. Il a dit quoi? Sorrif. Il dit, détourne, kouloubana, notre cœur, à la toi-atik, si ton obéissance. Donc, aïwa, ikhwa, multiplions cette invocation. Fal iksar minat dua. Multipliez les invocations, bis sabbat. Que Allah vous raffermisse. Que Allah nous raffermisse tous. Multipliez les invocations. La tazunnu bi nafsika. Ne pense pas que tu ne peux pas être égaré. Qad inharafa a'imma al-jibal. Des savants qui ont la science comme des montagnes ont été égarés. Ils ont délaissé la voie, tel que Imran bin Hittan. Hein? Abdullah al-Qusayn, celui qui a écrit l'un des meilleurs livres pour faire rad sur ceux qui critiquent la dawa de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahab, rahimahullah. Mais il est mort athée. Il a délaissé la religion de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Imran bin Hittan, il a voulu marier une femme kharijiya. Une femme qui a l'aqidat al-khawarij. On lui dit, la tafal. Ne fais pas cela. Il dit, ogayirha. Je vais la changer. Mais c'est la femme qui l'a changé. Fasara ra'san min ru'us al-khawarij. Il est devenu une tête parmi les têtes des khawarij. Là où les salafs sont placés, reste là-bas. Dinuna dinutiba. Walaysa din ibtida. Ce n'est pas une religion d'innovation, c'est une religion de suivi. Si les salafis disent la tuja les al-bida, faut pas chercher à faire des ta'wil. Pour dire non, mais si ils sont comme ça, wallah, si tu ouvres cette porte-là, tu tombes.
Tu vas aller trouver quelqu'un dans, parmi les Ahlul Bida, il n'a jamais menti, il est bien, il fait la zakat, il fait l'aumône. Hein? Et donc, maman, même si tu ne trouves pas même ça parmi les salafis, n'est-ce pas? Comme l'un d'entre eux est tombé parmi les tabliques à cause de ça. Vous connaissez les tabliques, tous ceux qui ont fait diamant de tabliques, ils savent. Ils ont fini à Bab Ikram. Hein? Si avec eux, quand tu as un problème, tu les vois. N'est-ce pas? Quand il y a un problème, tu les vois. Mais les salafis ont perdu ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la salafie. Mais quand il a vu ceux qui ont commencé à aller faire ikram et tout ça, il était parmi les salafis et il a glissé. Allah Zawajal nous accorde la compréhension. On demande à Allah qu'il nous fasse mourir à l'islam wa sunnah. Man mata à l'islam wa sunnah, faqad mata à la khayr kulli. Il est mort sur tout le bien. Nasallallahu yumitana ala sunnah. Wa yashurana fi zumrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tahta wilai aw tahta rayati Muaz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Kalla nuresisit parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et derrière Muaz bin Jabal. Limaza, je faisais une invocation, car Muaz bin Jabal, il sera la tête des savants le jour de Yom al-Qiyama. Muaz bin Jabal. Naam. Naam. Bismillah. Baad, inshallah. Baad. Baad, baad al-dars, yumkina al-naqra. بإذن الله بارك الله فيك. طيب هو من أسباب الثبات على الجادة. Regardez le cheikh qui dit l'invocation c'est parmi les causes qui nous raffermit sur la voie droite. Al jadda c'est la voie droite. كما يقال كن سلفيا على الجادة. Ce n'est pas tous les salafis qui sont à la jadda. Là à la jadda ils sont très peu. Ils sont très peu. Ceux qui n'ont pas les gnagnés, ils sont très peu. Qu'à la façon qu'on soit les salafis à l'al-jadda. Nasallallahu alayhi wa sabbitana wa iyyakum. Le cheikh dit, on demande à Allah de nous raffermir ainsi que vous. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Le dernier livre dit, i'lamu, sachez. I'lam ici, ça fait partie des usulub, des gens de la sunna, c'était de nos imams. Hein? L'imam Muhammad bin Abdullah, rahimahullah, dans la majorité de ses livres, dit I'lam, rahimahullah, annahu yajibu alayna, ila akhir. Donc ici, il dit I'lamu, sachez, anna l'islam huwa sunna. L'islam est la sunna. والسنة هي الإسلام إلى السنة الإسلام ولا يقوم أحدهما l'un d'entre eux ne peut pas s'arrêter illa bil akha qu'avec l'autre. Je vous donne l'explication très courte pour que vous puissiez comprendre. Lorsque quelqu'un vient dire أشهد أن لا إله إلا الله يقول مسلم لابد من ماذا أن يقول il doit dire وأشهد أن محمدا رسول الله. Si quelqu'un lui dit أشهد أن محمدا رسول الله يقول مسلم لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله. نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو الإسلام دين الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذه هي سنة. Voici la sunna. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Tu ne peux pas dire que je suis musulman, je ne suis pas sunni. Aïe, femme. Hein? D'accord, hada. Ah non, on est islam, on est sunna, on est jahil. Il te faut un kalama. Là. إعلموا أن الإسلام هو سنة. والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Ça fait partie des textes que vous devez mémoriser. Alors ici,
Mes chers qui l'esprit, Al-Islam, huwa Al-Islam lillah. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada yusamma Al-Islam. Voici l'Islam. Donc l'Islam même déjà, ça veut dire qu'il faut se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez. Wal-inqiyadu lahu bima shara'a. Et se soumettre à lui en appliquant ce qu'il a légiféré. Wa amma sunna, quant à la sunna, fahiya hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-muallif, al-islam huwa sunna. L'islam c'est la sunna, fala yumkin, il n'est pas possible, an yanfasila al-islam, que l'islam se détache an hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaa bihi. Qui détache de la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? La guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve où? Dans les hadiths. Dans ces hadiths. N'est-ce pas? Mais ibtulina bi unas. On a été prouvé par certaines personnes. Ils disent nahnu qur'aniyun. Ils sont les qur'aniyun. Les gens seulement qui prennent dans le Coran. Ça va? Et ils ne font rien avec la sunna. Hein? Mais eux-mêmes, pour pouvoir les convaincre même, pour pouvoir faire débat avec eux, c'est très facile. N'est-ce pas? C'est très très facile. Ils n'ont pas compris le Coran. Parce que Allah dit, Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et son messager. Ok, Allah on comprend, c'est le Coran. Son messager là, sa parole dans le Coran. On l'obéit comment? Hein? Dis-moi, on l'obéit comment? Avec le Coran? Là, sa parole n'est pas là-bas. N'est-ce pas? Allah dit, وَمَنْ يُتَيْ الرَّسُولَ فَقَدِ أَطَعَ Allah. Celui qui a obéi au messager, a cet obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Montre-moi la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de ces gens, des personnes. Il a dit, il arrivera un temps, vous verrez que des gens qui sont bien adossés sur leur fauteuil. Ils sont bien attardés. On leur donne les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Bainana wa bainakum al-Qur'an. Entre nous et vous, c'est le Coran. Ce qu'on trouve comme halal dans le Coran, on dit c'est halal. Ce qu'on trouve comme haram dans le Coran, on dit que c'est haram. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que ce qui a été descendu sur son messager, qui sont les ahadiths, n'est pas comme le Coran? C'est pareil. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuqimana ala sunna. Ensuite ici le cheikh il dit, قال والسنه هي الاسلام. La sunna c'est l'islam. كذلك c'est pareil. فهذا هو ذاك وذاك هو هذا. Ceci est cela et l'autre est cela. C'est-à-dire ils sont pareils. La farqa bainahuma abadan. Il n'y a pas de différence entre eux. ولا يقوم احدهما الا بالاخر. L'un d'entre eux ne peut se dresser qu'avec l'autre. فمن ادعى الاسلام. Celui qui prétend l'islam. ولا يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Mais il n'applique pas la guidance du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فليس بمسلم حقيقة. Il n'est pas musulman en réalité. Hein? Dites à ceux-là qui disent, ah, ou t'es sunna mo yens la mali. Dites-le. C'est pas possible. Ni t'es sunna mo yé, ni t'es sunna yens la mali. En tant que takfir qu'elle a dit, on ne fait pas takfir. Nous, on ne dit pas qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ni même l'islam yere yere ka. Si tu veux venir ici, l'islam réel, la bouddha n'a pas de l'ahal et sunna. Allez? Non. Tala d'Ordien nous accorde la compréhension. Ensuite, il dit, فَمَنِ دَعَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَعْمَلْ بِهَدِي النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَامُ فَلَيْسَ بِمِسْلِمْ حَقِيقَةً وَمَنِ دَعَ, celui qui prétend aussi اتباع هَدِي النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَامُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ, et il n'est pas rentré dans l'islam, فَلَيْسَ بِمُسْلِمْ, فَلَا بُدَّ أَنْ يُوْجَدَ الْأَمْرَانِ, on doit trouver ces deux choses-là. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمِنَ السُّنَّةِ
fait partie de la sunna. Parce qu'il a fini de te dire que l'islam et la sunna sont pareils. N'est-ce pas? Maintenant, il va te dire maintenant que ça fait partie maintenant de l'islam et la sunna qui sont pareils là. C'est qui va venir? Ma bon? Il est le zoom ou le jama'a. Le zoom al jama'a. Le fait de rester avec la jama'a. Faman raghiba. Celui qui désire ghayr al jama'a. Autre chose que la jama'a. Wa faraqaha. Et se séparer de cette jama'a. Fa fad khala'a. Qui sache qu'il a enlevé. Rubqat al islam. Le collier de l'islam. Min unuqi. De son cou. Wa kana. Donc il sera en ce moment dallan. Il sera égaré lui-même. Mais s'il est égaré, il devient comment? Moudilla. Et maintenant il va égarer les autres. Est-ce que vous comprenez? Soyez. Famina sunna fait partie de la sunna. Wa hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le zoom ul jama'a. Restez avec le groupe. Yani as-sabat alayha. Restez ferme sur le groupe. Wa tamassuk biha. Et s'accrochez au groupe. Wa adamul inhiraf anha. Et ne pas dévier du groupe. Le chef qui va nous dire, c'est que le groupe. Mais je vous pose la question d'abord. Al-jama'a, c'est quoi? Hein? Al-haq wa ahlu, c'est la vérité? Hein? Ou bien c'est une association? Hein? C'est la vérité. Mais on nous fait comprendre que c'est les associations. Ok? Quand il parle sur le raïs d'une association, on y parle avec al-jama'a. C'est séparé du groupe. Hein? La jama'a c'est quoi? Al-haqwa ahlu. Mais Raina Unas, on a vu des gens qui ont quitté ces associations. Et lorsqu'ils ont quitté, on les a fait asseoir. Et on les a dit, voilà les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Man faraka al-jama'a wa mata mata maitat al-jahili. Celui qui se sépare du groupe. Et il est mort comme s'il était dans la jahiliya. Ils font directement son takfir. Hein? Ils disent, reste avec le groupe, avec les raïs. Et puis ils t'envoient même le hadith de Huzaifa, qu'on va voir. Que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dua'atu ala abwab jahannam. Ou bien, mais Huzaifa il dit à mes messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ce moment-là matin, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ilzam jama'atel muslimin wa imam. Reste avec le groupe de musulmans et les imams. Maintenant, s'il n'y a pas de groupe de musulmans et les imams, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, même si tu dois mordre un arbre, hein? Le tronc de l'arbre, tu dois l'attraper comme ça, et jusqu'à ce que la mort atteigne, il faut le faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si la jama'a était la vérité, est-ce que la vérité elle-même est imam? Ça va? Est-ce que la vérité elle-même peut avoir un imam? C'est-à-dire, la vérité, on dit al-haqq. C'est ce qu'est la jama'a. Ils essaient de faire le ta'wil comme ça. Pour montrer que quand il dit Ilzam Jama'at al-Muslimin, c'est partout les musulmans se rassemblent. Ils envoient les hadiths qui disent La yastami ummati ala dalal. Wa antum ishamatum ala dalal. Ils disent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, La yastami ummati ala dalal. Ma communauté ne font pas ishtima sur l'égarement. Ils disent quoi? Le ishtima qu'ils ont fait, qui est l'association, c'est ça qui est la vérité. Donc, on fait le jama'a, faqad khala'a rubqat al-islam an unuqi. Je vous le dis, aywa al-ikhwa. Regardez toutes ces associations-là. Eux tous, ils sont mukhtalifina fil aqida. Fa kayfa yakunu al-jama'a?
Comment ils peuvent être la jama'a? Hein? Ils ne peuvent pas être la jama'a. Parce que la jama'a, c'est ceux qui sont sur la même aqida. N'est-ce pas? Al-haqwa ahlu. La meilleure explication même de al-jama'a ici, on va voir dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit, wal-jama'a kamaja'a fi riwayatin. Comme c'est venu dans une riwaya. Min al-hadith illadhi zakarnahu. Dans les hadiths que nous avons mentionnés, regardez ici. Il dit, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes-là sont en enfer, sauf un seul groupe. Ils disent au messager d'Allah, c'est quel groupe? Quel groupe? Qala al-jama'a. Regardez, il dit al-jama'a. Wa fi riwayatin ukhra qala, dans une riwaya il dit quoi? Ma ana alayhi wa ashabi. Ceci quoi je suis ainsi que mes compagnons. Ok, voici l'explication. Fa hadhi tufassiru lana ma'na al-jama'a. Cela nous explique le sens de jama'a. Jama'a c'est quoi? Ma kana alayhi nabi wa ashaba. Ça va? Ma kana alayhi nabi wa sahaba. Ok. Vous dites que vous êtes jama'a. On va comparer. Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam hazzara min al-khawarij. N'est-ce pas? Hazzara min al-qadariya. Il a dit al-qadariya tu majus wa hazihi umma. Hazzara min al-khawarij. Ok. Vous dites que vous êtes des jama'a. Supposons que vous êtes une association, on comprend que peut-être vous dites que vous êtes jama'a. Mais dans votre jama'a là, il y a des khawarij. Hein? Il y a des khawarij muslimin. Il y a jama'a du tablir. Vous êtes quel jama'a? La jama'a du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou vous-même votre hizbiya que vous avez créé. C'est votre hizbiya là, chef. La chaque, si vous êtes réellement sur la jama'a du messager de sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mettre en garde contre les khawarij. Vous allez enlever même dans votre groupe ceux qui ont acquis la kharijiyya. Ou bien, vous allez enlever cela. Mais, vous dites que vous êtes jama'a. Ah, vous n'êtes pas la jama'a. Donc ici, comme le chaque dit, فَمَنَ al-jama'a, le sens de la jama'a, هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي. C'est le manhaj. Manhaj, c'est quoi? La voie sur laquelle Kana Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu et ses compagnons. Al-Kiram, ses nobles compagnons. Wa ja'a an ba'd as-salaf, c'est venu de certains salaf. Annahu fassara, qu'il a expliqué al-jama'a bil-haqqi wa in kunta wahdak. Il a expliqué la jama'a en disant « Al-jama'a huwa al-haq wa in kunta wahda ». Qui a dit cela? Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Ok, le chef dit ici maintenant « Wa hadhihi yafhamuha ». Nam, cette jama'a là, l'ont compris « Al-ba'du » certains « Fahman » d'une compréhension « Saqiman » malade « Maqlouban » et renversé. Ils ont compris d'une compréhension malade et renversé. C'est-à-dire ils ont mal compris. N'est-ce pas? Le sens de la jama'a. « Fayazunnu nafsahu » Il pense que lui-même « Annahu in atabi manhajin jadi » Que s'il vient avec un nouveau manhaj « Au qawlin shaz » ou une parole qui contredit la vérité, أنه هو الذي على الحق كسر لي كسر الحقيقه والباقي كل من كلهم على الضلال كل من اسيل غارم فيتمسك بهذا يسكرش اسلا ويقول لك اجدي انا الجماعه سموا الجماعه والباقي كلهم منحرفون اتوزيسون ايغاري كوم يا سيتين بيرسون ici. ابتلينا بمثل هذا هو في منهجنا ويدعي انه على منهج سلفي لكن
tous les salafis sont Moumaïa ou bien Moufsadia ou bien Yari Muntassoun, des infiltrés dans la salafia, yukhrij kul ahad. Wa yara nafsahu min al huwa nafsuhu al jama'a. Wa in khalaftahu anta mubtadi'. Tarifuna. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Lui le jama'a. Mais tous ceux qui le contredisent sont quoi? Munharif. Tous ceux qui ne s'asseyent pas avec lui, même dans son dars, si tu ne viens pas t'asseoir, on commence à douter. Est-ce qu'en réalité, lui là, il n'a pas laissé la voie? Ah, il a laissé la voie, hein, parce qu'il ne vient plus chez Ouzad, hein. Subhanallah, l'Azim. Al-Jama'a ou al-Haq, c'est la vérité. Wa imbunta, wahdak, si tu es seul, même si tu ne viens pas chez moi, même si on ne se connaît pas, anta kuna al-Haq, aïsou magunta, partout tu te trouves, sois si la vérité. Je nous accorde la compréhension. Alors le chef dit, l'Eïsat Azil Jama'a, cela n'est pas la Jama'a. Innama al Jama'a, la Jama'a, ma kena alayhi ashabu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma kena alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma kena alayhi salafu salih, ala ma'na al Jama'a. La Jama'a, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi étaient ses compagnons, ce sur quoi étaient les salafu salih, voici ce qu'on appelle la Jama'a. الله أكبر. وقال وقول المؤلف إلى parole de l'auteur il dit فمن رغب غير الجماعة celui qui désire autre que la jamaa وفارقها et se sépare du groupe كيف يفارق الجماعة le chef qui nous pose la question comment il se sépare du groupe يفارق الجماعة il se sépare du groupe بترك السنة واتباع البدع. Il se sépare du groupe en délaissant la sunna et en suivant l'innovation. En délaissant la sunna et en suivant l'innovation. Faut augmenter un peu. Un peu seulement. Non. وهنا أمر مهم. Il y a quelque chose qui est très important. Et je veux que vous vous concentrez. أنتركزوا على هذا جيدا. Parce que les innovateurs ils disent أنتم تفرقون الأمة. C'est vous qui séparez, c'est vous qui divisez la communauté. N'est-ce pas? Et ce qu'ils disent, ils disent que les gens de la Sunna, c'est tout. Le nouveau groupe qui est venu maintenant, on les appelle les salafis, mais on les appelle comment? Le nouveau groupe là. On me souna minga, on l'ouko souna te. Eux disent c'est pas la souna. On l'ouko salafia. Hein? Ils sont venus avec quelque chose que nous on n'a pas connu ainsi que nos pères. Ya jahil, ikra al kutub. Lis le livre. Ça t'arrive pour anna salafia hazgi. Quand il kila a salafia mouz alf, aksar min alf sana. Plus de 1000 ans. Avant même que votre Afrique là-même avait si. On a parlé des salafia. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ils disent que c'est vous qui séparez les. Alors que c'est nous, on appelle au rassemblement. Allez, Sakazali. Mais on appelle à quel rassemblement? Toi, le chef qui dit Amar Allah tabaraka wa ta'ala bil shima wa naha an iftiraq. Allah a ordonné qu'on se rassemble. Et a interdit qu'on se divise. Non. On a se divisé sur quelle base? Sur quelle base? Et on doit se rassembler sur quelle base? Sur la sunna. Si on doit se séparer de quelqu'un, c'est à cause de quoi? Hein? Parce qu'il a délaissé la sunna. Mais aujourd'hui, on nous a fait sortir de leur groupe. Est-ce qu'on a laissé la sunna? Hein? Qu'est-ce qu'on a laissé? Hein? Est-ce qu'on a laissé? Non. C'est les innovations qu'on a laissé. Mais on nous a fait sortir de leur groupe. Et nous tous, hein, même moi, je suis dedans. Hein? Ils ont fait barrage, même si d'autres. Ça va passer vite.
Donc ici, il dit Amr Musallam. Il dit c'est quelque chose qui est Musallam, une vérité incontestable. C'est que les gens de la Sunna, Allah, il nous appelle à nous rassembler. Et il nous interdit la division. قال الله تعالى الله لتروي دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دي كرامبوني ودوس اكروشيفو ها بحبل الله لكابل د الله ها ولا تفرقوا ان بو ديفيزي با اوكي هذا امر بالاجتماع الله نوز ابل ان نراسمبل على الكتاب Sunna. Allah nous appelle à nous rassembler sur le Coran et la Sunna. Wanaha et il nous a interdit en l'iftiraqi de la division wal ikhtilaf et des divergences. Comme il a dit wala takunu min al mushrikin. Ne soyez pas comme les associateurs ou bien ne soyez pas parmi les associateurs min al ladina farraqu dinahum. Ils ont divisé la religion. Ils sont devenus des groupuscules. Après, c'est eux qui disent que c'est nous, on se divise. Il y a combien d'associations sunnites ici? Ils ont beaucoup, hein? Bon, ceux qui sont là, Kodis, Jemsi, Semisi, Al-Mouaïdoun, Kodis. Mais pourquoi? Si on est tous sur la sunna, pourquoi on se rassemble pas sur un seul groupe? Limada. Pourquoi? Hein? Ah, le l'ikhtilaf. Tu ne vas jamais entendre qu'il y a un groupe qui a laissé manhaj. Et puis on les a délaissés. C'est pour les intérêts du Niaouiye. Tachattatu wa farraqu dinahu wa kanu shia. Ils sont devenus en différents groupes. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe est content de ce qu'il a. C'est nous les salafis, on vous dit non. Pas de codis, pas de... Hein? Ton. Laissez tout ça. Accrochons-nous sur la sunna et laissons les tons. Parce que les tons nous divisent. N'est-ce pas? Accrochons-nous sur la sunna et laissons les tons. Les tons même, on sait que au début c'est venu pour quelle cause? Ceux qui sont venus avec la première brique, ils ont déposé la première brique ici en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils étaient persécutés. En ce moment, la sunna commençait à rentrer. En ce moment, ils avaient nommé des musulmans orthodoxes. Est-ce que vous comprenez? Les musulmans qui étaient sur la sunna. Parce que les gens les persécutaient pour pouvoir avoir maintenant le droit au niveau de l'autorité pour garder leur but, ils ont créé l'association. C'était juste un dessin. C'était juste un dessin. Et les chiites ont permis cela. Si c'est pour faire la dawa, on peut créer pour faire la dawa, mais on ne milite pas pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui contenait notre association, il est Mouftadir. Celui qui ne contredit pas, il n'est pas Mouftadir. Maintenant, il suffit d'être dans l'association. Voilà, au compte de Soufi, il y a un c'est sunni. Voilà, cher ou la hizbiya. Voici le danger de la hizbiya. La hizbiya, c'est quoi? Tafarraku, wa tachattatu, wa kanu shia. Kullu hizbin, bima ladayhim farihun. Kala zaouja nous écart de la hizbiya. Donc, Allah dit encore, inna alladhina farraku dinahum. Ceux qui ont divisé leur religion, wakanu shia, ils sont devenus des groupes. Lesta minhum fi shay. Il dit, oh Muhammad, tu ne fais pas partie d'eux. Et nous aussi, on demande à Allah de ne pas en faire partie. Et de nous désavouer de ces groupuscules. Et de nous accrocher à quoi? Wa atatimu bi hablillah ala al-kitab wa sunnah. Wa in kunta ala al-kitab wa sunnah wa law kunta fi aqsa al-ard, même si tu es au fin fond de la terre, anta ma'ana fi al-aqida wa al-manhaj. Ou bien anta ma'ana fi al-aqida wa al-manhaj.
Même si on ne vit pas avec toi, qui a déjà vu Cheikh Islam Moutemia? Qui a déjà vu Ibn Qayyim? Qui a déjà vu Mohamed Ibn Abdel Wahab? Est-ce qu'on a milité dans la même association? Mais pour qu'on l'aime, pour qu'on prenne eux, pour qu'on dise les gens de la Sunna, parce qu'ils sont restés sur la même vérité depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés sur la même vérité. Ils ont appelé à cela. Nuhibbuhum lidhalik. On les aime pour cela. Wa nataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihubbihim. On se rapproche d'Allah, hadi wasila. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour. Il faut qu'on retienne cela. Donc ici, le cheikh dit, Izan, tafriqu ad-din, la division de la religion, wal furqa, wal ikhtilaf, la séparation et la divergence, il dit quoi? Min sabil al-mushrikin, ça fait partie de la voie des mushrikin. Wa laysa min sabil al-mu'minin, ça ne fait pas partie de la voie des croyants. Wa nahnu ma'muruna bil-ijtima', nous on est ordonné de nous rassembler. Walakin ayi ijtima' hadha, c'est quel ijtima' alladhi umirna bih, Allah nous a demandé de nous rassembler sur quoi? Écoutez bien cela. Kathirun minan nas al-yawm, beaucoup de personnes aujourd'hui, yaqulu laka hafizu ala al-ijtima', faites l'effort, on a qu'à préserver l'unité des musulmans. Nuridu al-ijtima', on veut se rassembler. La ahad yatakallam bi kalam yusiru al-furqa wal-ikhtilaf. Faut pas que quelqu'un va dire une parole qui va mener la divergence et la séparation. Ah oui. Voici l'une des traits distinctifs des associations aujourd'hui. La takallam ahad ala ahad. Wallah. Si chacun essayait de rectifier l'erreur de l'autre, il n'aura plus d'association. Ou bien, est-ce qu'il aura? Bon, taisons-nous. Il ne faut pas que quelqu'un va dire que la parole de l'autre n'est pas bonne. On a qu'à essayer de régler en privé. Et pourtant, tu sais qu'en privé, il ne va pas accepter. N'est-ce pas? Pourtant, tu sais qu'en privé, il ne va pas accepter. Non. Comme une fois, je suis allé quelque part, les frères de la Sunna là-bas, ils me disent que dans leur pays, ils ont une association sunni. Mais dans l'association sunni, les gens sont rassemblés. Mais lorsqu'il y a eu le soulèvement que ce Khariji et Khouani Mahmoud Diko, il a fait au Mali, il y a eu d'autres qui ont défendu et d'autres qui ont fait rate dans la même association. Ah oui. Ça c'est Umur al-Fiqhi ou Aqadi. C'est le fiqh ou c'est Aqida. Est-ce qu'ils doivent se séparer? Bon, d'autres ont fait rade, d'autres ont dit on n'est pas d'accord. Maintenant, ils disent le chef même, il n'a pas fait inkar. Le chef de l'association n'a pas fait inkar pour montrer ce qui est la réalité que tout le monde doit suivre. C'est-à-dire, dans la même association, il y a d'autres qui sont d'accord avec la voie des Khawarij, qui est le fait de sortir contre l'autorité. Dans la même association, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble pourquoi? C'est pour défendre la Sunna. Là, c'est pour l'intérêt personnel. C'est là que j'ai dit à ces frères-là. J'ai dit, Jalou, Aziri Jemaïa, à l'Aliassa, mettez-vous cette Jamia à la gauche et suivez les ulama. Les savants, apprenez la Sunna et comprenez et ne vous affiliez pas à une Jamiaïa. Pourquoi? Parce que c'est ça que la Hizbiya. Quand Dieu nous accorde la compréhension. Il faut très bien comprendre ce côté-là. Voilà pourquoi le Cheikh dit Minhadi Dandana. Vous savez ce qu'on appelle Dandana? C'est Dandana qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle, on entend sa parole, mais on ne comprend pas. C'est qui est Dandana. Yali l'a dit, ne séparez pas les gens, laissez les gens, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Le Cheikh a nommé ça, il dit Dandana. Il dit c'est Dandana. Tu me parles mais on ne comprend pas. Toi, il dit, c'est Dandana que nous on attend, minzalika kaulihim, de leurs paroles. Ils disent quoi? Nata'awanu.
فيما اتفقنا عليه. اوكي on va s'entraider sur nos accords. اوكي okay? Donc toi on est d'accord sur quelque chose, on s'entraide sur ça. وَيَعْزُرُ بَعْدُنَا بَعْدًا. Mais on se pardonne si مَخْتَلَفْنَا فِي, si nos divergences. Hein? سبحان الله العظيم. كل جميعية. Toutes les associations. On s'entraide si ceci qu'on est d'accord. Mais ceci qu'on n'est pas d'accord, on se pardonne. Personne n'est pas sur quelqu'un. حِفَاظًا عَلَى الْإِشْتِمَاعِ الْبَاطِلِ. Pour pouvoir préserver le l'إِشْتِمَاعِ الْبَاطِلِ. Voilà pourquoi, tu verras, il y a le soufi. Comme moi, je connais d'autres qui sont en même temps avec le codice, ils sont avec le codice. Ils sont blancs, hein? Ils sont codice, codice. Ah oui. Subhanallah. Ok, tu es avec eux pour quoi? Pour défendre quoi? Hatta dernièrement, dans un congrès qu'ils ont fait, entre le Codis et puis le Cosim. Le Cosim, ils sont connus, hein? Tidjaniya, Soufiya, Kadriya. Tout sauf la Sunna. Ok? On est d'accord avec ça? Ok. Maintenant, ceux qui disent ils sont sunnis, eux aussi, ils ont beaucoup, hein? Ils ont beaucoup de gnagnés. Bon. Ils disent, nous, on est sunnis. On fait un congrès ensemble avec les gens de Cosim. Et puis, le président de Cosim prend la parole maintenant. Il dit, il faudrait que les gens sachent que ces associations ne sont que des dessins, des choses. Ce n'est pas la religion. Sinon, on a les mêmes objectifs. Mais nos associations ne sont pas pareilles. والله هؤلاء يمكن ان تحفظوا على السنه. Ces gens et personnes, ils peuvent préserver la sunna pour nous. Ils peuvent préserver. Bon. عندهم هذه المسؤوليه. Ils ont cette responsabilité là. Mais وخانوا المسلمين. Ils ont trahi les musulmans. Ils ont trahi. Voilà pourquoi. Pour ne pas que les musulmans sachent le problème qui est en eux. Tu vas jamais aller voir dans la mosquée. Dard de Sharu Sunna, le Kitabu Tawhid, le Usul Sunna, Abadan, Tafsir, Riyad Solihin, les sauts d'ordre général, on parle de ça. Mais on sait que si les gens ils apprennent la Aqida, comme ils se donnent, le boy est Kalama. Oda, Nasallallahu alayhi wa sallam. On va terminer cette partie. Donc le Cheikh il dit, ensuite, il dit cette règle-là. نَتَعَاوَنُ فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي. Vous comprenez ça? C'est la règle. القاعدة الزهبية لإخوان المسلمين. C'est la règle d'or. Non, j'ai dit la règle d'or. Des إخوان المسلمين. Ce n'est pas de notre règle. Cette règle est bâtie. Ok? C'est la règle d'or des إخوان المسلمين. Hein? Voilà pourquoi tu vas les trouver même chez les Ikhwan, les laïcs. Ils sont même pas musulmans. Ils sont parmi les Ikhwan. Les Rawafid, les Shia, tous les groupes. Tous les groupes. Et à cela, ils veulent arriver ici. Alors vous n'avez pas entendu une fois le Raïs. Il dit dans sa parole, il dit, moi et puis Abaka Fofana, on est ensemble. Ok. On n'a pas la même vision, mais on a la même vision. Hein? Tout ça pour la politique. Apprenez votre din. Apprenez votre din. Comprenez votre din. Comprenez la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et où ces trompeurs-là, mettez-les à côté. Maintenant, restez avec qui? Aujourd'hui, alhamdulillah, vous avez la capacité d'écouter la parole de Cheikh Salah Al-Fawzan, de Cheikh Ibn Baz, de Hussein. Hein? Après, quand on dit ça, ils disent non. Que nous, on se dirige seulement pour écouter les Arabes, et puis on laisse nos savants d'Afrique. Là, on va peur. Montrez-nous un seul savant. Un seul. Qui n'a pas gnagné dans sa aqida. Montrez-nous. Pourquoi on peut le suivre? Parce qu'on cherche.
C'est même une joie pour nous d'avoir des savants d'Afrique. Ou bien, il y a des savants que nous suivons, qui sont aujourd'hui des savants, tels que le cheikh Hamad Al-Ansari, vous connaissez son histoire, Al-Mali, qui est le muhaddis de Médine. Il est décédé en tant que muhaddis. Il était l'enseignant de cheikh Mohamed Al-Man Al-Jami. Et beaucoup d'entre nos chiouks, tels que cheikh Rabi, et tout cela. Mais il était malien, vous ne savez pas ça? C'est au moment de l'indépendance où les gens ont commencé à coloniser que lui il a fui avec son compagnon. Les deux, ils ont marché jusqu'à Makka. Du Mali jusqu'à Makka. Il allait rester là-bas, il est devenu parmi les chiouks. Non, et c'est les Africains, on prend d'eux. Il y a aussi Mohamed Aman Al-Jami, qui est Africain aussi. On prend de lui aussi. Il y a aussi Mohamed Adam Al-Ethiopie, le Muhaddis, Makka, Abdelhamen Aouf, tous ces gens-là, ils sont là. Mais pourquoi vous envoyez ces paroles comme si vous voulez faire la discrimination? Si les savants, on va le suivre. Mais, aujourd'hui, les plus grands savants de notre époque, La Ikhtilaf Fi, Cheikh Sall Al-Fawzan, Cheikh Ibn Usaymin, Cheikh Albani, Rahimahullah. Restons sur le manhaj. Ils ont le manhaj du Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas comme ceux qui vont s'accrocher sur le manhaj de Ibn Baz, pour dire non qu'ils sont sur le manhaj de Ibn Baz. Kazaboun, c'est des menteurs. Ils ne sont pas sur le manhaj de Ibn Baz. Parce que le manhaj Ibn Baz, il n'était pas dans Jamaïa. Il n'était pas aussi d'accord avec les Hizbi. Il faisait rad sur Al-Mu'ayyanin. Il prenait les gens dans et puis il faisait rad sur eux. Il nettoyait cette religion comme les autres savants passés. Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Halil Qaïda Tilizari. Cette Qaïda, ils ont créé pour cela. Lakin, Hal Halil Qaïda. Est-ce que cette règle-là, Wahad al-Manhaj, et ce manhaj ou alladhi amara Allah bih, est-ce que Allah a ordonné cette qaïda là? On n'a qu'à s'entraider sur nos accords et on n'a qu'à se pardonner dans nos désaccords. Est-ce que Allah a ordonné cela? Là. Le cheikh dit là. Allah subhanahu wa ta'ala, non? Allah subhanahu wa ta'ala qayyada. Allah restreint. Faqala fi kitabi al-karim. Il a dit dans son noble livre, وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Il dit, accrochez-vous tous sur le câble d'Allah. وَلَمْ يَقُلْ. Allah n'a pas dit, اِشَّمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah n'a pas dit, rassemblez-vous et ne vous divisez pas. Est-ce qu'il a dit cela? Il a dit, rassemblez-vous sur quoi? Sur le câble d'Allah. N'est-ce pas? وَفَرْقُمْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. Il y a une différence entre ces deux choses. فَإِنْ اجتمعوا ولا تفرقوا. C'est-à-dire cette parole-là qui est rassemblez-vous et ne vous divisez pas. Tani اجتمعوا على أي شيء ولا تفرقوا. C'est-à-dire rassemblez-vous sur n'importe quelle chose et ne vous divisez pas. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? ولكن قال. Il a dit واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع على حبل الله. On se rassemble sur le câble d'Allah. وحبل الله et le câble d'Allah, هو الذي يصلنا بالله تبارك وتعالى. Ce qui nous fait arriver à Allah, هو الكتاب والسنة. C'est le Coran et la Sunna. هذا هو الذي جاء من عند الله. Voici ce qui est venu de Allah subhanahu wa ta'ala. فحبل الله هو شرعه. Le câble d'Allah, c'est sa législation. ودينه et sa religion. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alladhi alayhi ashabul kiram. Et ceci quoi étaient les compagnons, les nobles compagnons. Radiallahu anhum. Falishima yakunu ala zari. Le rassemblement s'est fait sur cela. Faman tamassaka bihada ma ikhwanihi. Écoutez très bien. Le chef dit, celui qui s'accroche à cela avec ses frères, fawa mushami. Il se soit rassemblé sur la vérité. وَمَنْ ابْتَدَعْ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً. Celui qui innove dans la religion d'Allah une innovation, خَالَفَ فِيهَا. Il a contredit alors مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُ. Ce que Allah a ordonné et son messager. فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَ. Alors qui s'est séparé du groupe.
إذن التفريق دون إيسي لا سيباراسيون لا ديفيزيون يكون ممن ابتدع. La division vient de celui qui a innové. Là, mimman hazzara, mimman ibtada. Pas celui qui vient mettre en garde, c'est celui qui a innové. Hein? Celui qui a innové, c'est lui qui envoie la division. Parce que Allah nous dit, voilà kitab, voilà sunnah. Toi, tu viens avec quelque chose qui n'est pas dans les deux là. Qui envoie la division? C'est toi. Ok, toi y es. C'est toi qui as envoyé la division. Maintenant, celui qui vient, maintenant, il dit, bon, ok, lui là, il a envoyé une chose qui ne fait pas partie de ça là. Faites attention à lui. On dit, non. Ça aussi. Il ne faut pas diviser la communauté. Hein? Et au est-ce qu'on peut imaginer ça? Pas y. Donc ici, al-umur yaw, écoutez la parole du chef. Il dit, les choses aujourd'hui, makulouba, les choses sont renversées aujourd'hui. Tout est renversé. Man bayyana hal al-mubtadi', celui qui clarifie la situation d'un innovateur, qu'est-ce qu'on dit? Wa azhara lin-nas, et il fait paraître son égarement pour les gens, li yahzaruhu, afin que les gens fassent attention à lui, wa li yatabayyana lahum al-haqq, et afin que la vérité soit claire, min al-batil du faux, wa yabqa al-haqq, et que la vérité reste mutamayyizan, différenciée, an al-batil du faux, yaquluna anta tufarriqu al-kalima. Il dit, voici toi qui divise les musulmans. Divise. Voilà comment c'est renversé. C'est renversé, hein? Même des imams qui disent « Nahnu min ahli sunna » Il dit « L'imam la tatakallam alayh » Pourquoi tu parles sur lui? Hein? Pourquoi tu parles sur lui? Subhanallah al-Azim. Subhanallah. L'imam la tatakallam alayh. Est-ce que la religion là c'est son patrimoine? C'est dinullah. Mais si je ne parle pas, que ça reste comme ça, les gens vont prendre comme égarement, n'est-ce pas? Regardez les innovations qui sont apparues. C'est apparu, les gens se sont divisés. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens pour parler, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, les Zegarou, ils allaient s'arrêter. Et ils n'allaient pas faire ces innovations, n'est-ce pas? Donc on va terminer la parole du cheikh. Le cheikh dit, Unzur kaifa inqalabatil umur. Regardez comment les choses se sont renversées. Fi zamanil jahli. Dans une époque d'ignorance. Wallahi, taban. Effectivement. C'est une époque d'ignorance. Tu les vois, ils vont étudier, ils ont des doctorats. C'est une époque d'ignorance. Ah, ils croient. Parce que si ce n'est pas l'ignorance, quelqu'un ne peut pas venir dire, mais pourquoi tu passes telle personne? Wallah. Il va s'asseoir, il va dire, bon, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Où sont les preuves? N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Mais, pourquoi est-ce que les malais, là, tu vas rire que les musulmans, hatta, tu vois le discours que nous tenons ici. Wallah, si nous demandons une mosquée aujourd'hui pour faire ça, ils vont nous chasser. Vous savez pourquoi? Parce que là, ils ont un bon hasard. En yasma wahab. Ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre. Alors que c'est ce qui se trouve dans Kitab wa Sunna. Il ne faut pas avoir mettre en garde. Wallah subhanahu wa ta'ala, hazzara min al-munafiqin, hazzara min ahli kitab. Il a mis en garde contre les gens du livre. Toyib. Ici le chef il dit, unzur, kaifa inqalabatil umur fi zaman al-jahl. إنما تنقلب الأمور lorsque les choses se renversent comme ça وينقلب العلم et la science se renverse إلى جهل à l'ignorance يصير هذا الحال ça devient c'est cette situation là qui arrive فيقولون ils disent للذي ينصح ils disent à celui qui conseille ويأمر بالمعروف qui ordonne le bien وينهى عن المنكر qui interdit le mal ويبين الحق من الباطل
qui clarifie la vérité du faux, wa yafsil huma, et qui met la différence en ba'dihima entre elles, que yabqa hada, pour que cela reste wadihan, clair, wa jaliyan, évident, c'est la même chose, clair. Wa yabqa zalika wadihan lil jami, pour que cela reste clair pour tout le monde. Anta tufarriqul umma, tu divises la communauté. Min aghrabi ma sami'tu min hada. Il y a un imam qui se réclame de la sunna. Lorsque nous avons fait des mises en garde, il dit qu'aucun salafi ou farafara. Ils ont divisé les salafis. Vous le connaissez, Joe. Aucun salafi ou farafara. Qu'on y a là-haut. Radou Beketini. Car Radou Ke, Ibn Baz, Ibn Seymine, Luka Ereke. Mais cela m'a farafara. Mais il en a voulu kakumani kan, ça parlait celui là, alors voulu kakuma kan, kamoko fara ko ke groupe yi. Subhanallah alazim. O ka jone fara. Il est le mal fonca mau. C'est toi qui n'as pas accepté la vérité. C'est toi qui essaie aussi de d'agir en bas. Tu essaies aussi de tromper les gens. C'est toi qui divise maintenant les gens. Ou bien c'est celui qui dit que telle personne a une erreur, celui qui divise. Là. Tous ceux qui n'ont pas accepté cela avec les preuves claires, ils se sont détachés, c'est eux qui ont divisé. Sinon, le Asul est là. N'est-ce pas? Non, sallallahu alayhi wa sallam. On va terminer cette page-là. Le chef dit, Hadha tafriqun wajib. Écoutez bien. Il dit, c'est une division même qui est obligatoire. Oui. Comme à qui il a le chef Sahar al-Fawzan. Ils disent, ceux qui parlent, on dit, il sépare la parole des musulmans, il sépare les musulmans. Le chef Fawzan dit, non, il faut bayn al-batil wal haq. Bayn al-haq wal batil. Il sépare, il divise entre la vérité et le faux. Et le chef Ali Ramni dit quoi ici? Hada tafriqun wajib. Non, c'est wajib même. C'est obligatoire même de diviser. De séparer entre le vrai et le faux. L'imada. A Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Makkah, ils n'ont pas dit cela. Farraqa bayna al-abwa al-ibn. Il a séparé entre l'enfant et le père. Hein? C'est pas ce qu'ils ont dit? Hatta, lorsqu'ils sont sortis dans la bataille de Badr, et qu'ils sont arrivés sur Al-Badr, ils ont fait la bataille de Badr. C'était qui et qui ont fait la bataille de Badr? C'était les musulmans et les mouchirikines. Mais il y avait les muhajirines qui ont combattu leurs propres parents. N'est-ce pas? Hatta lorsqu'ils ont pris des captifs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé le conseil d'Abou Bakr et de Omar. Abou Bakr dit, je vois que qu'on prenne la rançon. On prenne la rançon et on les libère. C'est-à-dire, on les libère avec rançon. Omar dit non. Ces gens qu'on a pris là, c'est les têtes de Quraysh. Si on prend la rançon, alors ils vont se retourner, ils vont se rassembler encore pour venir nous combattre. Donc laissez, chacun va se charger de ses parents. C'est-à-dire, vous me laissez mes frères. Hein? Comme les gens disent, je vais les gérer. Ok. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi. L'opinion de qui? Abou Bakr Siddiq. Et Allah blâmé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, dans surat al-Anfal. Ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhana fil am. Aturiduna arada la hayati dunya? Il est un messager d'Allah, c'est la dunya que tu veux? Wallahu yuridu l'akhira. Allah, s'il pouvait cacher un verset, il allait cacher ça. Le cheikh Rabbi dit, Allah fait raid sur Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ici. Où bien n'a pas fait raid? Est-ce que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Omar pour dire, c'est, pourquoi tu as dit ça? Et à cause de toi, Allah fait raid sur moi. Est-ce qu'il a dit ça? Là, il a accepté, il s'est mis en cause. Allah a préféré l'opinion de Omar. Tafriqun wajib. Non. Vous préservez ta religion
تفريق واجب. On t'a pas montré ça. Lorsque l'imam Bukhari il allait prendre les hadiths avec un de nos salaf, Kamaja, lorsqu'il est arrivé, il a voulu prendre. Et la maman lui a dit, es-tu venu prendre le hadith avec telle personne? Tu ne sais pas que c'est un syndic. La maman de celui chez qui il est venu prendre le hadith, elle dit, ne prends pas le hadith avec mon fils. C'est un syndic. Subhanallah. On demande à Yahya ibn Ma'in. On dit, dis-nous la situation de ton père. Est-ce qu'on doit prendre les hadiths avec lui? Il n'a pas parlé. Ils ont insisté. Il dit, Abi Daif. Il dit, mon père est Daif. Ne prenez pas la science avec lui. C'est la religion d'Allah, c'est Dinullah. La Nujamil Ahad. La Nujamil Ahad. On ne flatte personne. Voilà nous daïn. On reste sur la vérité. Et si on veut rester sur la vérité, il faut qu'on reste ferme. Celui qui ne veut pas qu'il s'en va. Celui qui veut qu'il reste. Et on te rassemble sur Al-Kitab wa Sunnah. Le manhaj salaf salih. Donc, nous allons reprendre à partir de At-Tafriqul Wajib. Wajibun dans le Dars prochain, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc ici, le résumé du Dars. On a vu d'abord la signification de Alhamdu. Et je veux que vous mémorisez la signification de Alhamd qui est concis. هو الوصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. Et ensuite le matn de l'imam al-Barbahari qui est l'imam an al-islam wa sunnah wa sunnah ya al-islam fa min as-sunnah luzum al-jamaa wa man faraqa ghayr al-jamaa wa fa wa man raghiba ghayr al-jamaa wa faraqaha faqad qala'a ruqata al-islam an unuqi wa kana dallan mudilla. Vous mémorisez cette partie et vous mémorisez ma'an al-jama'a. Vous mémorisez ma'an al-jama'a. C'est très simple à mémoriser. Ma'an al-jama'a ici, c'est quoi? Man kana ala misli ma'ana alayhi wa ashabi. Wal jama'a an takuna ala al-haqi walau kunda wahdan. Donc vous mémorisez ma'an al-jama'a et vous mémorisez aussi le verset. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. C'est compris? Quand on nous accorde la compréhension, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. نعم.